Bonjour à tous, ici CryptoTrader pour CryptoTrading France. J'espère que ça va bien les amis. Bon, aujourd'hui on va voir comment shorter, donc pour vous créer un portefeuille. Je vous mettrai une vidéo comment créer un portefeuille. Ça vous permettra de voir aussi vos adresses, où est-ce que vous allez pouvoir envoyer. Voilà, il y a pas mal de vidéos. Bon, je vais pas reprendre la base de la base. Je vous mets le lien d'une vidéo qui est super superbement bien faite. Et ça vous permettra donc d'avoir votre adresse, votre portefeuille My Ether Wallet. Et faudra le faire sur Classic Ether Wallet, c'est exactement le même principe, sauf que c'est légèrement différent, c'est juste la façade qui change, mais c'est exactement la même façon pour créer un portefeuille Classic Ether Wallet. Donc voilà, ou soit vous avez un ledger, vous envoyez ça sur votre ledger, et faudra ouvrir le ledger, donc clac, ça se situera ici, Open Ledger et Connect to Ledger Wallet. Pour le connecter, donc votre Ledger Wallet, donc il faudra mettre vos ledgers, entrer votre mot de passe, il faudra aller dans l'onglet Setting, il y aura un onglet Browser, et faudra mettre Yes, ce qui vous permettra de vous connecter à l'aide de votre ledger sur Classic. Mais normalement, Ledger supporte le fork. Voilà pour la partie classique, donc Ether Wallet. Maintenant, on va se retrouver sur Kraken. Comment prendre un short? Donc, comment shorter? On se retrouve sur Kraken. Vous allez aller dans New Order et New Charting and Trading Tools. Une fois que vous cliquez là-dessus, il faudra aller rechercher donc Ethereum Euro. Ethereum Euro. Et pour shorter, du coup, vous avez l'onglet Buy and Sell. Vous allez aller sur l'onglet Sell. Vous cliquez sur le 2. Et vous allez faire donc soit market ou soit limit, un ordre limit, c'est-à-dire que je peux placer un ordre, je veux vendre à partir de 25,054 $, et si vous faites market, ça va vendre au prix du marché. Moi j'ai envie de vendre, donc, par exemple je vais shorter, on va dire un ETC au prix du marché. Donc ça, après, ça sera à vous de définir combien d'Ethereum vous voulez shorter. Donc ça sera le même nombre que vous en achetez. Par exemple, si vous achetez 10 Ethereum classiques, vous allez shorter 10 Ethereum classiques. Donc par exemple, là je fais sell up, donc confirme sell, et voilà, là j'ai pris un ordre short. Donc c'est-à-dire que pour l'instant je suis en perte de 0,22 parce que j'ai pris un market et il y a un petit écart. Et si on regarde sur les positions, en fait vous allez dans position, vous avez votre short qui est ouvert avec votre gain et votre perte derrière. Pour le clôturer, donc une fois que vous aurez acheté, envoyé sur l'adresse Classic Ether Wallet, il faudra, une fois que le fork aura été fait, que vous rapatriez vos fonds sur Kraken et fermer votre short en même temps. Donc il faudra cliquer sur Close Position. Et donc là, vous cliquerez sur Market, vous ferez buy et vous clôturez en fait votre short. Donc voilà pour la partie du short. Donc si je rachète maintenant, en fait j'ai vendu à 24, je vais racheter à 25, je serai en perte. Là je suis en perte de 0,20%, mais comme je vous l'ai dit, en même temps que je vais acheter, je vais shorter, ce qui me permettra d'équilibrer, que ça monte ou que ça descende, je m'en moque total. Je sais que quand je vais rapatrier, donc dans un premier lieu je vais vendre mes Ethereum et ensuite je clôturerai mon short. Donc voilà pour la partie short sur Kraken. Et pour savoir où est-ce que ça en est, donc la distribution a lieu au bloc 5,5 et que des zéros derrière.
Dès que ce bloc-là a été fait, qu'on passe à 5500001, vous savez que la distribution a été faite. En fait, ils vont scanner le bloc et si vous détenez des Ethereum à ce bloc précis, vous allez récupérer donc du Callisto. Je vous mettrai le lien de Gas Tracker. Donc une fois que le bloc 55001 est fait, vous n'avez plus qu'à renvoyer vos Ethereum de Classic Ether Wallet à Kraken pour recevoir vos Ethereum et les envoyer. Bon, j'avais tourné une vidéo Kraken, je vais vous réexpliquer. Tout simplement, donc déjà pour envoyer, il faut que vous alliez dans l'onglet Withdraw. Donc il faudra aller dans Funding, Withdraw. Ça sera pour envoyer. Vous allez tomber là-dessus, vous cliquez sur ETC. Et vous allez aller sur Add Address. Donc dans la description, vous tapez ce que vous voulez. Donc My Ether Wallet. C'est là où vous allez envoyer. Ensuite, vous copiez donc votre adresse de Classic Ether Wallet, vous la copiez là et vous faites Save Address. Vous allez recevoir un mail vous demandant de confirmer, vous faites OK. Ensuite, donc il faudra sélectionner, je ne vais pas cliquer dessus parce qu'on va voir mes adresses, mais il faudra sélectionner, vous cliquez dessus et sélectionner votre adresse de destination qui est Classic Ether Wallet. Ensuite, vous sélectionnez le nombre, donc par exemple si vous avez acheté 10 Ethereum Classic et shorté en même temps 10 Ethereum Classic, vous mettez donc 10, ça va vous les envoyer sur Classic Ether Wallet. Pour le fork. Une fois que le fork a eu lieu, il faudra aller sur l'onglet donc deposit. Il faudra aller dans funding deposit Ethereum Classic et faudra vous générer une adresse. Donc vous allez aller dans generate new address, vous cliquez dessus, ça va vous générer une adresse automatique. Et cette adresse, faudra la copier, cliquer sur Classic Ether Wallet pour envoyer vos fonds, renvoyer vos fonds sur Kraken. Et une fois que vous avez fait ça, vous revendez vos Ethereum classiques, vous coupez votre short et vous avez gagné des Callisto gratuitement. J'espère que cette vidéo aura été claire, c'était pas forcément évident à tout expliquer. Si vous avez des questions, je serai sur le Discord, je pourrai répondre, vous aider à profiter Callisto gratuitement. Voilà, c'est à peu près tout. Je voulais quand même vous tourner cette vidéo. Il faut savoir que je suis claqué, j'ai passé mon permis aujourd'hui, je suis mort. Et voilà, ça s'entend peut-être au son de ma voix. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Donc comme d'habitude, like pour le million de dollars baby qui est un peu moins péchu que d'habitude. Le partage, le commentaire venu directement sur Discord. Si vous avez des interrogations, ce sera plus facile à vous aiguiller. Je vais commencer, je pense, d'ici 2-3 heures. Je vais attendre le bloc 55 000. Non, je vais commencer maintenant à shorter et à acheter. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très très